Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait des cannelés bordelais. Alors il faut savoir que cette recette doit se faire une journée à l'avance parce que la pâte doit reposer au frais pendant minimum 12 heures, le mieux c'est 24 heures avant d'être cuite. Donc on enfile son tablier, on se lave les mains et c'est parti. Il vous faudra 3 jaunes d'œufs, 3 œufs, 150 g de farine, 300 g de sucre, 50 g de beurre, 75 cl de lait, du rhum et des moules à cannelés. Donc ici ils sont en silicone, comme ça, mais vous pouvez en prendre en tube. Petite huile ensemble. Donc on porte à ébullition le lait. Et ensuite, on ajoutera le beurre coupé en morceaux. Voilà, donc là, vous voyez, il y a des gros bouillons. Ça monte. Ça fait un peu de bruit. Ça monte, ça monte, ça monte. J'arrête le feu. Je vais le poser à côté. Et j'ajoute le beurre. J'ai ajouté le beurre et je remue. Que le beurre fonde. Donc on va bien lisser le tout et laisser tiédir. Alors maintenant on va mettre les œufs avec les jaunes. Et on va ajouter le sucre. On va essayer d'obtenir quelque chose d'assez onctueux. Comme ça, c'est assez liquide, un peu onctueux quand même. Voilà, donc là on va ajouter le rhum. Donc moi j'en mets 10 cuillères à soupe, mais on peut en mettre beaucoup moins. Donc je peux en mettre 3, normalement c'est 3. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. On mélange. Là, faut faire attention, c'est assez liquide. C'est une pâte qui va être extrêmement liquide. Voilà, là c'est très très liquide. Et ensuite, on va ajouter la farine par petite quantité. On en met un peu.
S'il y a des grumeaux, c'est pas grave. Donc là, ma pâte est assez onctueuse. J'ai transvasé dans un autre saladier parce que celui-là était trop petit pour ajouter le lait. Donc on va ajouter le lait qui a tiédi dans la préparation. Ça sent bien le rhum. Voilà, tout le lait est incorporé. Là, ça sent un peu de la mousse parce que le lait était un peu trop chaud. Mais c'est pas très grave. On essaie de bien mélanger pour que ce soit bien tout incorporé. Et puis, on va laisser reposer ça une nuit. Et puis, la fin de soirée et la tresse. Et on se retrouve demain pour les faire tout le monde. Alors, dans la deuxième partie de la recette des cannelés bordelais, nous allons cuire la pâte. La cuisson est un petit peu compliquée parce qu'il faut changer le thermostat pendant la cuisson. A tout de suite. La pâte a reposé toute la nuit. On va maintenant la mettre dans les moules. Alors, comme la pâte est très très liquide, j'ai mis la pâte à la louche. Donc j'en ai mis à peu près 2 louches par cannelé. Je laisse 1 cm de bord. Le four a été préchauffé à 250 degrés. On va maintenant mettre des cannelés dedans pour un quart. J'ai baissé le four à 175 degrés et on continue la cuisson pour 45 minutes. Voilà mes cannelés à la sortie du four. Alors pour les démouler, il suffit de retourner le moule et voilà, il se démoule tout seul et on va les placer dans un plat. C'est très très chaud, donc on les met dans un plat sur la fournée précédente. Voilà. Vous voyez, ils ont quand même réduit dans la cuisson. Ceux-là sont un petit peu plus cuits que ceux-là. Mais comme ça, ça fait pour tous les goûts. Alors, il faut savoir que pendant la cuisson, tout l'alcool est parti. Hein. Oh, ça brûle. Tout l'alcool s'est évaporé. Le petit dernier. Hop. Et donc voilà, mes cannelés. Bien cuit, bien doré. Il y a du rhum qui coule sur le bord. Voilà. À bientôt.